Salut les fans du vocal, je suis content de vous retrouver et puis je vous souhaite une très très bonne année 2018, beaucoup de santé, prospérité et beaucoup d'amour. Ça y est, le grand jour est arrivé. Mon 805 ans est en eau. Je ne vais pas vous montrer ça de suite, mais vous verrez sur la vidéo la suite. Il y a tout. Alors, depuis le premier jour, c'est-à-dire récupération des vitres qui sont dans un état lamentable, j'ai fait des photos, j'ai pas de vidéos. Montage du bac, collage du bac, c'est en photo parce que c'était pas chez moi. Et c'est chez un copain qui m'a fait ce bac parce que j'ai pas la place pour le faire, je suis en appartement. Donc il y a quelques photos. Et ensuite, c'est les vidéos de montage de A à Z, c'est-à-dire les montages, faire le meuble, montage de la décante, mise en marche de la décante, rodage de la décante, que vous avez déjà vu sur l'autre tuto. Ensuite, la racine que j'ai récupérée il y a, je pense, 3 mois. Dans une rivière, vous avez vu dans le tuto, là j'ai coupé, j'ai mis chez un copain, laissé tremper dedans pendant 2 mois et demi. En plus, nettoyage au karcher, tout ça, découpage de la racine, mais je ne vous en dis pas plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oui, fabrication de la rampe que vous avez déjà vu sur le tuto. Si vous êtes nouveau, que vous n'avez pas vu, allez faire un tour. Il y a la fabrication de supports de rampe. Ensuite, le collage de tous les tubes de la décante, c'est-à-dire la descente de la décante, jusqu'en bas. Malheureusement, j'ai commandé des pièces sur une site chinoise, mais ça s'est pas passé comme prévu. J'ai attendu 45 jours, 50 jours. Donc finalement, j'ai dû acheter les passe-parois, seulement que deux, parce que les deux de Roger, ils n'ont pas. Donc je fais avec des moyens du bord, je vous montrerai après. Dès que je reçois, bon, ben, à ce moment-là, je remettrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, vous verrez, il y a plein de vidéos, des montages de A à Z, franchement de A à Z. Donc voilà, et puis bon visionnage et portez-vous bien. Je vous dis à très très bientôt.